Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture, donc vous parler de mes deux dernières lectures. On commence donc avec, je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, ouais, avec à tout hasard, donc la partie 1 de Jamie Maguire aux éditions J'ai lu. Le livre, je voulais le lire en fait depuis, il y a pas longtemps qu'il est sorti en intégrale et c'est comme ça un peu que je l'avais découvert, mais je voulais pas lire l'intégrale parce que je savais pas si ça allait me plaire, tout simplement. J'aime beaucoup, comme vous savez, les écritures de Jamie Maguire, un peu surtout quand elle parle de zombies ou d'amour. Donc là, ça parle d'amour. On est avec des personnages qui sont adolescents, qui ont 17-18 ans, qui vont quitter en fait le lycée. Donc c'est leur dernière année de lycée, même le dernier semestre, je dirais. Et donc on se retrouve avec Erin. Erin qui a pas une vie, ce qu'on peut dire vraiment de facile. Sa mère l'a élevée toute seule. Sa mère est également alcoolique et toxico, enfin voilà, hein. Erin s'est un peu auto-élevée toute sa vie et malheureusement elle est brimée au lycée à cause de ça parce qu'elle a pas beaucoup de vêtements, voilà, elle met toujours les mêmes parce que sa mère est une droguée, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc Erin n'a pas la vie facile et ce qui est encore moins facile c'est que ses deux amies d'enfance qui s'appellent toutes les deux Erin et qui sont nées le même jour qu'elle, toutes les trois elles sont nées le même jour, elles s'appellent toutes Erin, ces deux-là en fait depuis la fin de l'école primaire se sont totalement retournées contre elle, donc de meilleures amies elles sont passées à pire ennemie, et lui en font voir de toutes les couleurs. Donc ça c'est un peu voilà, le speech de départ. J'ai plutôt aimé en fait, surtout ce que j'ai aimé là-dedans c'est ben, l'écriture de Jamie Maguire comme toujours, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Erin, notre Erin, la gentille, qui est vachement forte, même malgré voilà, tout ce qu'elle a vécu, elle veut s'en sortir, elle se dit que bientôt elle sera libérée, que voilà, bientôt c'est la fac, elle pourra faire ce qu'elle veut, et elle pourra prendre vraiment son avenir en main, tout ça. Voilà, donc on a un personnage vraiment fort et plutôt agréable en fait à suivre tout simplement. Donc va s'en suivre un événement qui va un peu chambouler la vie de Erin, de ses camarades. Et en fait, la partie 1 se finit presque sur l'événement. On a peut-être allé 60 pages après l'événement et c'est fini. Donc je pense que c'est un bouquin qu'il faut quand même lire en intégrale à mon avis pour bien en parler. Mais en tout cas, je peux vous parler du coup que de la partie 1. C'était plutôt court. On a une histoire d'amour qui je trouve est un peu trop... pas facile, mais elle est amenée un peu trop facilement justement, c'est un peu trop rapide. Je pense que l'auteur, quand elle l'a écrit, elle s'est vraiment dit, il faut que la partie 1, pas que ce soit déjà fait, mais voilà, que ça commence directement presque. Et moi, j'aurais préféré justement qu'il y ait peut-être un petit jeu, qu'on se cherche, enfin voilà, que l'histoire d'amour soit pas évidente dès les 10 premières pages. Mais après, ouais voilà, même le garçon pour qui elle tombe amoureuse, je trouve que son histoire à lui est pas mal et enfin voilà, il y a des trucs qui sont bien mais d'autres qui je trouve sont beaucoup trop faciles. Surtout quand on voit en fait ce qui se passe avec Erin et sa famille, tout ça. Il y a des choses qui sont un peu trop faciles. Bon après je vais quand même lire la suite parce que ça m'a d'une certaine façon plu et je veux savoir comment Erin va évoluer par la suite. Mais après si vous aimez l'histoire d'amour, je veux dire compliquée et tout ça, passez à côté parce que enfin c'est pas la peine parce que ça va être trop facile pour vous. Dès le départ on a des doutes sur ce que l'auteur veut nous révéler en mode oh, non c'est pas vrai, tu l'as pas ça. Enfin moi personnellement ce qu'on était censé découvrir presque au milieu de la partie 1, dès le départ je me suis dit ah ouais c'est sûr il y a quelque chose. Je peux pas vous lire donc c'est compliqué d'en parler mais j'étais sûre de ce qui allait se passer et ça je trouve que c'est dommage et ça m'arrive plutôt rarement en fait avec les récits de Jamie Maguire. Donc voilà, donc c'était une bonne lecture. Pas non plus incroyable, pas non plus retentissante, enfin voilà, mais c'était pas mal à lire si on voulait se détendre pendant 2 heures, 2 heures et demie, voilà, ça faisait une petite lecture. Donc je vais bientôt lire, je pense, quand même la partie 2, peut-être en même temps la partie 3, comme ça je vous en ferai un petit peu un résumé global. Donc voilà. Après ça, j'ai lu, toujours en e-book, Les 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Alors ce bouquin je connaissais pas du tout mais j'étais fait en fait un tour avec ma sœur à Cultura il y a une semaine et j'ai vu le 3e tome justement des 7 sœurs et la couverture me plaisait plutôt bien. Je me disais ça va peut-être une ambiance un peu années 20, années 30 dans l'Angleterre, tout ça. Et du coup je me suis dit allons-y, lisons le tome 1. Je l'ai pas trouvé en format papier donc je l'ai acheté en e-book. Parce qu'en fait le tome 1 est épuisé, alors je sais pas s'il va être réédité ou pas. J'ai réussi à le trouver à la Fnac. Alors à la base il coûte 22,50€, c'est déjà cher je trouve. Je l'ai eu pour 26 ou 28€. Ouais je sais, c'est vachement cher, d'habitude je mets jamais ça pour un livre. Mais je sais pas pourquoi là je voulais l'objet livre parce que je trouve que la couverture est quand même plutôt jolie. Et que je suis apparemment superficielle et que ouais voilà je savais que les autres j'allais trouver en format papier donc il me les fallait en grand format tout ça. Donc oui,
c'est plutôt superficiel. Donc voilà. Sinon, les 7 sœurs, ça ne se passe pas du tout dans les années 20 ou 30, mais dans les années 2000, voire... donc oui, ça se passe dans les années en fait 2007. Je vais y arriver avec ce chat. Avec Maya, en fait, Maya fait partie d'une famille un petit peu particulière, on va dire. Elle vit en Suisse, dans une grande maison qui s'appelle Atlantis, donc c'est un grand domaine près du lac, tout ça. Son papa vient malheureusement de décéder, et Maya en fait est l'aînée de, au total, 6 sœurs qui ont toutes été adoptées par le papa. Voilà, donc ça c'est la base. Et elles viennent en fait chacune un peu de pays totalement différents, vraiment des quatre coins du monde. Et on se dit, pourquoi les 7 sœurs comme titre? En fait, ça fait partie de la Pléiade, en fait, dans les astres. Nous avons les 7 sœurs, donc qui sont des étoiles, qui sont réunies, et donc le père a nommé d'abord ses filles par le nom des étoiles, parce qu'il voilà, il leur a toujours montré, voilà, ça fait partie un peu de leur vie. Donc elles vont avoir des secrets, des choses à découvrir. Donc là, sur le premier tome, on suit Maya. Maya, qui est donc l'aînée, et qui s'est... en fait, jamais vraiment sentie forcément proche de son père. En fait, elle pensait le connaître, elle se rend compte qu'à sa mort, elle ne le connaissait pas vraiment. En fait, c'est un papa qui voyageait beaucoup, qui allait, enfin voilà, qui faisait du bateau, qui avait ses affaires, et qui était à la maison pas trop souvent. Et c'est la seule, en fait, qui habitait encore à Atlantis. Les autres sont totalement partis ailleurs, et elle, elle s'est dit, voilà, je suis la plus vieille, elle est traductrice, et il y a quelque chose qui lui manque. Donc, juste au jour où voilà, le papa décède, les 6 sœurs se réunissent, vont trouver des indices sur leur passé, sur leur adoption. Et donc ce sera ça, chaque livre va... on en aura 7 hein, de livres. Chaque livre va traiter d'une sœur, donc qui va aller voir, peut-être, peut-être pas. Pour Maya en tout cas, elle y va, elle va voir pour son passé, ça y est, elle fonce. Elle prend un peu voilà, les rênes de sa vie et elle veut aller découvrir d'où elle vient. Alors j'ai beaucoup aimé en fait le début surtout du roman, parce que voilà, on est dans Atlantis, on est avec Maya, on découvre un peu le passé, les choses, les sœurs, les caractéristiques de chaque sœur, leur caractère, tout ça. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Après, ce que j'aurais aimé, je trouve, ce qui m'a manqué, c'est justement notre personnage principal, c'est Maya. Et en fait, quand elle commence à partir sur son passé, l'auteur nous parle justement de son arrière-grand-mère. Et en fait, l'arrière-grand-mère, sur 100% du bouquin, je suis à peu près sûre que 70 ou 75% c'est vraiment que sur l'arrière-grand-mère, sur sa vie à elle. Donc moi c'est ce qui m'a manqué, j'aurais voulu découvrir quand même, en découvrant le passé de Maya, j'aurais du coup voulu découvrir Maya. Un peu sa personnalité plus que celle de sa grand-mère, même si voilà c'était une très belle époque, c'était vraiment génial, c'était un beau récit. Ce qui m'a manqué, bah, c'est Maya justement. Donc j'ai hâte de découvrir voilà, dans le tome 2, est-ce qu'on va en apprendre plus justement sur la sœur qui sera concernée, normalement ce sera Ali. Voilà, est-ce que l'auteur va partir dans la même chose et est-ce que 70% du bouquin ce sera que le passé de Ali ou pas J'aimerais qu'on en apprenne plus sur, quand même, maintenant, sur ce qui se passe maintenant, sur leur vie et comment ça va devenir après justement leur découverte. Donc ça, je sais pas si ça va être fait ou pas, en tout cas sur celui de Maya, ça a pas vraiment été fait. On sait voilà, qu'elle va entreprendre des choses, mais j'aurais voulu peut-être aller juste une vingtaine de pages en plus pour me dire voilà, comment vraiment elle fixait son avenir, tout simplement. Donc sinon, c'était une très bonne lecture, si vous aimez... tout ce qui est un peu mythologie, si vous aimez le voyage, si vous aimez... Et quand même, en fait, il y a pas mal qui se passe quand même dans les années... on va dire, au maximum, ça va être plutôt ouais, les années 20, années 30. Si vous aimez ça, cette époque-là, et en même temps, les secrets de famille, les histoires un peu d'amour, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ça, franchement, foncez sur les 7 sœurs, parce que c'est vraiment pas mal. Ils existent en poche, les couvertures sont un peu moins jolies, pour ceux qui sont superficiels comme moi. Mais voilà, l'histoire reste la même, tout simplement. Donc voilà, je vais acheter le tome 2 sur, je vais peut-être déjà faire comme j'ai fait pour le premier, je vais télécharger en e-book et voir si voilà, si pareil, si j'aime bien, je l'achète en format papier. Mais voilà, pour le moment il y a 3 premiers tomes qui sont sortis. Chaque tome va vraiment être perçu par rapport à la personnalité justement de la sœur en question, et quand on voit comment Maya les décrit, elles sont vraiment toutes différentes. Donc il y en a forcément une qui va être plus un coup de cœur que l'autre. Je pense que là, Ali va pas mal me... Elle va réussir peut-être à me chambouler peut-être un peu plus que Maya, même si Maya a une très très belle histoire. Enfin voilà, j'ai hâte franchement de découvrir la suite, et je suis contente d'avoir découvert cet auteur parce que...
J'en avais pas en fait d'auteur de grosses sagas comme ça, vraiment plutôt familiale, pas basée que sur l'amour ou quoi. Et j'aime bien, je suis plutôt contente. C'est donc tout pour cette date lecture. Je crois que c'était un peu brouillon, mais il fait chaud, je suis fatiguée, je suis désolée. Voilà, si la vidéo était un peu brouillon, mes explications, tout ça, mais on est en fin de semaine, vous comprenez. Hein. Et puis j'ai Mado qui m'a perturbée aussi, la vilaine. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez lu. Si vous avez eu des coups de cœur, des déceptions, si vous avez des conseils à me donner justement par rapport aux lectures dont je viens de vous parler. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Elle est chacha. Ah t'es chacha. C'est Mado, je présente Mado. Dis coucou Mado. Non tu veux pas dire coucou, elle veut pas dire coucou. Non, c'est tout. Reste là. Mais ah elle veut trop d'amour, elle est pas possible. Coucou qui veut le chacha. Coucou qui veut le chacha. Tout va bien. Je gère grave.